Medvir est un système d'intelligence artificielle que nous avons commencé il y a 32 ans, donc il y a très longtemps, en nous fondant sur la parole du patient et les mots que les patients utilisaient dans les 450 000 questions qu'ils nous ont posées au cours de l'existence de Écran Santé et de Dr Click. Ça nous a permis de nous accaparer d'une certaine manière la parole du patient et en même temps, du fait que nous répondions aux questions, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans notre propre tête de médecin. Donc ce rapprochement entre l'analyse de la pensée du médecin, l'analyse de la pensée du patient, nous a permis de faire un système expert d'aide à la décision, qui est un système symbolique, hein, je le dis, c'est pas du connexionnisme, hein, ça résonne comme un médecin, ça pose des questions comme un médecin, et ça suit un cheminement qui est celui qui se passe dans la tête d'un médecin, et en particulier d'un médecin urgentiste. Pourquoi ? Parce qu'un médecin urgentiste, quand il voit un patient, il ne sait pas tout de son patient, il ne le reverra pas, et de ce fait, il est obligé d'avoir des raccourcis et de poser les bonnes questions de façon à aller le plus vite possible, à la fois vers les diagnostics envisagés et à la fois vers la prise de décision. Medvir est parti sur une logique de terrain, c'est-à-dire que nous avons mis des années à concevoir des ontologies. Les ontologies, c'est-à-dire nous avons envisagé de savoir combien y avait-il de symptômes. Nous savons qu'il y a 205 symptômes. Étonnamment, il y a 205 symptômes, mais vous avez une quantité de mots, que ce soit des mots médicaux ou des mots non médicaux, qui permettent donc de converger vers ces 205 symptômes. C'est quelque chose qui est stable depuis 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, nous n'avons pas changé une ligne de code à l'intérieur de l'algorithme. Il n'a pas bougé. On s'est basé sur les données de la science. Alors qu'est-ce que c'est que les données de la science? C'est ce qu'il y a dans Medline, dans Cochrane, etc. Les données de la HAS, les données de l'université de Rouen, etc. Et Montpellier, enfin des tas de données donc scientifiques qui nous ont permis de construire un système qui est de la logique floue et dont je pourrais peut-être vous parler après. La logique floue, c'est un système qui consiste à gérer l'incertitude. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que nous, les médecins urgentistes, on avait peu de données à notre disposition et qu'il fallait pourtant bien envisager des diagnostics et prendre des décisions, ben c'est ça. Donc ça consiste à ne pas chercher à faire un diagnostic, mais à évaluer une situation en termes de gravité et à se dire le problème il est plutôt par là. Et la logique floue, c'est-à-dire on n'est pas dans du 0 et du 1, on est toujours dans le poids d'un symptôme par rapport à un autre au sein d'un diagnostic. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne le cerveau d'un médecin. Il essaye toujours de se dire c'est plutôt par là que se situe le problème. Parce que qui fait le diagnostic maintenant, c'est plus le médecin, c'est les machines, c'est la biologie, c'est l'imagerie. Donc notre système, c'est en fait de la régulation médicale qui marche uniquement en posant des questions, exactement comme le fait un médecin, en avançant, en tâtonnant. Tout notre travail, quand on a commencé en 87 à répondre à des questions, c'était, je me souviendrai toujours de la première question qui nous a été posée sur Minitel, sur Écran Santé, c'était « Je n'ai plus mes règles, se pourrait-il que je sois enceinte ?» Je peux vous dire que quand on a reçu cette question, on était dans une perplexité énorme, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Donc forcément, on s'est dit, le seul moyen que nous avons, c'est de poser des questions et d'essayer d'en savoir plus. Et donc, quand on pose des questions à un patient par l'écrit, ce n'est pas du tout pareil que quand on pose par oral, parce que ça oblige à rentrer dans un autre langage, une autre manière d'accéder à l'information, qui est parfois très dure, très brute. On sait que le langage écrit est beaucoup plus violent que le langage oral. Et donc, il a fallu, au long des années, apprendre ce qui se cachait derrière le langage des patients. Par exemple, quelqu'un qui dit « j'ai mal dans la poitrine », c'est pas pareil que quelqu'un qui dit « j'ai une douleur thoracique » ou quelqu'un qui dit « j'ai une précordialgie ». Il utilise le même concept finalement, mais avec les trois mots qu'il utilise, il veut dire des choses différentes.
En raison de des différentes capacités de Medvion, nous nous adressons aussi bien aux professionnels de santé que sont par exemple les pharmaciens pour gérer le patient qui arrive en officine et qui ne sait pas la raison de son mal de ventre, par exemple. En amont des téléconsultations, parce que la téléconsultation prend beaucoup de temps, avec Medvion, en amont de la téléconsultation, ça permet de gagner du temps et ça permet aux médecins d'avoir déjà une masse d'informations qu'il n'aura pas le temps de faire dans le court délai que représente la téléconsultation. Donc on utilise le temps patient pour améliorer les choses. Les urgences hospitalières, puisque l'infirmier d'accueil et d'orientation, il peut être aidé à poser les bonnes questions. On peut mettre même des bornes interactives en amont des urgences de façon à faire du pré-triage. On a des perspectives avec le Québec en particulier dans ce domaine. Et puis il y a tout ce qui permet d'aider les adhérents des assureurs, parce que les assureurs et les mutuelles ont de plus en plus besoin d'aider leurs adhérents à circuler dans le système de santé, et donc ils utilisent notre système pour, dans le domaine de la gestion de la problématique des urgences, mais également de la prévention et également de l'information. Les perspectives de Medvir sont importantes puisque nous sommes maintenant en 4 langues, français, anglais, italien, espagnol. Le système expert Medvir est en mesure d'envisager 350 diagnostics d'urgence, 750 diagnostics de médecine générale, ce qui couvre à peu près 80% des problématiques que l'on rencontre en médecine courante. Nous avons fait un autre système qui s'appelle Medvir Prévention, qui donc utilise à peu près une quarantaine de facteurs de risque et qui, à partir de ça, envisage 60 pathologies possibles, que ce soit des cancers, des addictions. Donc on envisage des risques et à partir de ça, on donne des pistes de réflexion à la personne pour qu'elle se dise « Ah ben, si je fumais moins, si je faisais moins ceci, si je faisais moins cela, je verrais tel risque diminuer. » Et puis on a la troisième élément qui est la partie encyclopédique pure et dure, qui est donc de l'information. Mais ça, c'est la quille du bateau actuellement, et nous avons des projets sur l'observance, sur le suivi thérapeutique et sur le médico-social, parce que le médico-social va être de plus en plus important et les médecins manquent d'éléments pour envisager et gérer le médico-social. Notre travail donc consiste non pas à remplacer le médecin, sûrement pas, mais d'aider aussi bien le médecin que le patient à avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Thank you.